Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Good Game Empire et j'ai changé d'alliance pour une raison simple. Les nomades sont arrivés et mon alliance est actuellement première. Je vais vous montrer ça. Enfin, elle était première il y a une demi-heure, j'espère que c'est toujours le cas. Donc je suis chez eux pour le top. Ah, c'est plus le cas. Ils se sont fait distancer. Ah non, première alliance, j'ai rien dit. On a un peu d'avance, mais pour ça, il va falloir qu'on tape le camp à fond. J'ai pas encore provoqué le camp chez eux, donc il va falloir que je le fasse. Donc on va voir ce que ça va donner, mais j'espère bien pouvoir avancer très haut avec cette alliance. Avoir la déco, et puis de toute façon, ça va me rapporter beaucoup de points nomades, c'est toujours cool. Bon, alors si vous voulez voir comment j'attaque, regardez. Donc je repère le flanc le plus faible. Pour moi, c'était lui le flanc le plus faible parce que là, ils ont un gros pourcentage en distance. Ensuite, je mets en paramètre auto, je vire le flanc le plus faible et les engins standards. Je fais tout, hop, et je lance. Voilà, comme ça permet de lancer plein d'attaques d'affilée. Et quand elles arrivent, vous utilisez l'accélérateur pour pouvoir passer. Pour que plusieurs attaques puissent passer à la fois. Voilà, c'est une technique assez courante. J'ai mis tous mes commandes en PNJ à la suite. Comme ça, je suis sûr que c'est l'un d'entre eux qui a utilisé. Est-ce que j'ai suffisamment de distance? Non. Donc, on va plutôt attaquer avec un autre château. Je crois que là, il y en a encore. Hop. Ouais, il y en a encore plein. Il me reste peut-être un petit hameau encore. Ouais, encore de quoi de faire deux attaques à petit hameau. Et ce sera bon. Hop, hop, hop. Ah oui alors, d'accord, mettez des cacs devant, mais dans ce cas-là, ils n'ont pas d'engin. Alors, c'est pas le bon château. Petit hameau. Hop, voilà. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4 attaques, 5, 6 attaques à la suite. Donc, dans 3 minutes 22, je vais accélérer, puis j'aurai 10 secondes pour la suivante attaque, pour l'attaque suivante, 10 puis 10 secondes, puis 20 secondes, puis 20 secondes, puis une demi-minute. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire en attendant? Qu'est-ce que je voulais montrer? Je sais plus du tout. Si j'ai construit ma première grange ici, parce que c'est là où elle m'a rapporté le plus, grâce au petit village que j'ai en quantité importante. Et du coup, là j'ai niveau 15. Au maximum, on peut la monter à 320 de nourriture. Je n'ai pas regardé comparativement qu'est-ce que ça donne par rapport aux granges. Hop, niveau 24. Les granges elles s'arrêtent à 170. Mais après, ça prend plus d'espace. On va la monter d'ailleurs. Hop, demander de l'aide. Je pense que j'ai de quoi la monter jusqu'au bout. Ils sont là les points. J'ai 652 points d'évolution et 128 points de construction. Voilà, j'ai atteint le niveau. Combien de salles des légendes? Je sais plus si c'est 180 ou 280. Je crois malheureusement que c'est 180. Non, 280, très bien. Il me reste encore beaucoup de chemin avant la V6, mais ça va arriver. Là, j'ai fait le premier commandant depuis longtemps. Je crois que vous l'aviez vu dans une vidéo précédente. Ici, il me reste 1100 points à obtenir. Non, 2100 points à obtenir pour terminer le commandant. Je vous conseille de faire la roulotte à chaque fois que vous pouvez, parce que vous avez un tour gratuit, où vous pouvez gagner des bons trucs. Et ensuite, je vous conseille de faire deux tours pour la simple et bonne raison que la récompense pour faire trois tours, c'est 150 tickets. Et deux tours, ça vous coûte 60 tickets. Donc c'est rentable quoi qu'il en soit. J'aimerais avoir le temps VIP. Ah, votre inventaire est plein. Bon, il me l'a quand même gardé. Ouf. Ouf, ouf, ouf. On pourrait peut-être faire une petite provoque ensemble. Pour provoquer le camp, il est fortement conseillé d'avoir beaucoup de défense sur votre château principal. Donc là, j'ai plus de 7000 hommes, je crois. Et
J'ai à petit hameau 3000, 4000, 4000 hommes encore qui peuvent se transférer. Ça fera 11 000 hommes. Je sais que les gros gros joueurs ils peuvent monter à 30 000 sans souci. Moi j'y arrive pas. Mais bon. Plus de 10 000 hommes c'est déjà très très bien. Hop, j'en profite pour faire des attaques sur les fiefs et coquins. Il y en a qui a fini le héros nomade. Ce serait tellement cool d'avoir le héros nomade. Je vais checker qu'on est encore bon en temps. Non, 10 secondes. Mais il faut faire un sacré score au nomade pour avoir le héros d'événement. Enfin, du coup, on peut gagner au nomade en faisant un certain score. Voilà, un. Ou comme vous voyez, 10 secondes, c'est suffisant pour checker avant de relancer. 2. Allez, une petite attaque et on peut provoquer. 3. Bon, j'ai plus énormément de passe-temps parce que j'en ai utilisé pour faire le dernier événement samouraï à fond. Alors, ils sont faibles. Ça, je vais défendre flanc droit, je pense. Flanc droit, full cac. Parce que j'ai une attaque qui arrive bientôt. Ouais. Même instantanément, quasiment. J'ai dit flanc droit, full cac. Je mets rien du tout, juste des corps à corps. Hop. Ah, j'ai eu des passe-temps, trop bien. Voilà, parce que j'ai attaqué là-bas. Ah, j'ai pas du tout regardé les ratios pertes. 32, 30. Pourquoi il y a eu autant de pertes là? Ah ouais, j'ai attaqué avec les corps à corps. Là, c'est pour ça. 30 pertes au nomade, généralement, c'est bien. Je me suis trouvé un joueur. J'ai gagné 70 et. Vas-y, au 3. Ah, l'autre j'ai mis là pour pas l'oublier. Et 58 points d'honneur sur un joueur qui était en ruine et sans alliance. Donc c'est autorisé d'attaquer les joueurs en ruine et sans alliance. Comme il a des points d'honneur, j'en ai profité. Un passe-temps. J'ai aussi calculé combien de rubis on gagnait sur les fiefs et coquins sable et pique. Et la moyenne est autour de 10 rubis. Une attaque doit vous rapporter en moyenne 10 rubis. Si vous faites sans attaque, vous devriez avoir 1000 rubis. C'est ça que je veux dire. Parfois vous n'en avez pas et parfois vous en avez 16. Sur les tours sable et sur les tours pique, parfois vous en avez pas et parfois vous en avez 18 ou 20 ou je sais plus trop combien. Enfin ça varie toujours un petit peu. Avant on en gagnait beaucoup plus, mais bon. Ils ont décidé de les nerfer. Tant pis pour nous. On va attaquer ce dragon. Il y a un joueur qui m'a MP sur le jeu pour me dire hey, c'est trop chouette, tu fais des vidéos sur William Empire sur téléphone. Je crois que t'es le seul français à faire ça. Moi aussi, je crois. Un petit dragon. Je vais pas vous montrer la fin de l'attaque parce que ça va durer encore longtemps. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On se retrouve bientôt dans quelques jours pour savoir si le top a été remporté ou pas. J'ai aussi également eu l'occasion de parler avec un Français qui joue en monde international, grâce à l'événement des royaumes extérieurs où tous les joueurs de tous les serveurs sont mélangés. Et il me disait qu'ils avaient des règles, je ne savais pas qu'ils avaient les mêmes règles que nous, grosso modo. Mais du coup, ils ont pas autant de clans, ils utilisent moins de line du fait de la barrière de la langue. Voilà, on se retrouve bientôt dans quelques jours.